Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Gunnet TV. Mes petits lapins, j'ai le plaisir de vous présenter Daemon of Astborg. Vous allez me dire, t'es bien gentil mon gars, mais ça fait des plombes qu'on connaît ce jeu. Tu dois avoir au moins 3 ans de retard. Oui, je vous le concède, je suis un peu lent. Hooper, Benzaï, MO5.com, Edge et bien d'autres encore en ont parlé en long, en large et en travers. Tout comme une foule de youtubeurs américains qui aiment beaucoup ce titre. D'ailleurs, cette vidéo est un non-sens. Oui, et je vous prie de m'excuser, on va s'arrêter là. Merci d'être venus les amis. Ouais, mais finalement, ça serait pas sympa pour l'équipe de Neophyte Studio qui s'investit corps et âme dans ce chouette projet. Alors, je vais quand même en parler. D'autant plus que si je suis en retard sur le passage en revue de ce titre, je suis quand même en avance pour sa suite, qui est en fait une préquelle. Mais bon, c'est pas grave. L'histoire débute à la Castle Geek de Château-Renard. Je dédicace mes bouquins sous le soleil du sud. Je suis bien. Je bois des litres de bubble tea tellement il fait chaud. Élise, qui s'occupe de la communication chez Neophyte Studio, vient me parler de son jeu Daemon of Astborg. Elle me vend super bien le truc. Oui, vous voyez, c'est un véritable jeu Mega Drive qui poutre sa race. Ce jeu fait plus de 14 mégaoctets, ce qui correspond, pour un vieux comme vous, qui vient des années 80, à 120 mégabytes de données. C'est du jamais vu sur Mega Drive. Figurez-vous que je suis avec l'équipe de développement. Vous pouvez venir les voir, ils sont super sympas. Ils vous expliqueront le jeu en détail. Je lui dis, désolé mademoiselle, je suis un inconditionnel de la PC Engine. PC Engine, comme on dit dans le sud. Donc, tant que le jeu ne sera pas converti sur PC Engine, je n'en parlerai pas. La seule exception que je pourrais faire, c'est évoquer une éventuelle version Amiga. Maintenant mademoiselle, veuillez vous en aller s'il vous plaît, ou j'appelle la sécurité. Et là, elle fond en larmes et retourne à son stand. Alors moi je culpabilise un peu car je n'aime pas faire pleurer les femmes. Pendant le week-end, elle tente de revenir à la charge. Mais je lui jette des disquettes simples face d'Atariesté. Ah, du coup elle n'insiste pas. Neophyte Studio est dirigé par le clan Rebol, assisté par Christopher Rollin. Ils viennent me voir, ils sont un petit peu remontés, en me demandant pourquoi leur attaché de presse est blessé au visage. Je jette alors violemment au sol un Atariesté qui s'enflamme instantanément. L'acide contenu dans les condensateurs dégage une épaisse fumée âcre. Les alarmes retentissent. La salle est évacuée. La convention est fermée sur décision du préfet des Bouches-du-Rhône. J'en profite pour m'enfuir dans le Pas-de-Calais où j'obtiens l'asile vidéoludique. Damien Maria, l'organisateur de la Castle Geek, est dévasté et interdira toute introduction d'Atari ST lors des prochaines conventions. C'est, à mon sens, une sage décision. Quelques mois plus tard, je suis invité à la Edge Convention et l'ami Edge m'a placé juste à côté de l'équipe de Neophyte Studio. Enfer et damnation! Quel coup du destin! Ils vont sans doute tenter une nouvelle approche! Eh bien, figurez-vous, mes petits lapins, ça ne manque pas. Élise revient avec son jeu en imitant la démarche d'un robot pendant que le reste de l'équipe fait des pas de breakdance. Ah, ces développeurs indépendants. Qu'est-ce qu'ils ne feraient pas pour attirer mon attention? En plus, je suis un peu mal à l'aise car j'ai passé en revue, quelques semaines auparavant, le jeu TCK, lui aussi sorti sur Mega Drive, et j'envisage également de parler de Kirito, The Game, de Cyber 808. Encore un jeu Mega Drive. C'est fou, hein, mais depuis qu'un certain Stéphane Dallongeville a développé l'outil SGDK, il y a plein de jeux Mega Drive qui fleurissent. C'est tout simplement parce que l'outil doit être bon. Bref, difficile de faire l'impasse sur Daemon of Astborg. D'autant plus qu'il me donne une édition super classe dans un boîtier du plus bel effet. Bon, c'est simple, j'ai jamais vu un aussi beau coffret de ma vie. Comme je suis quelqu'un de magnanime, et que je leur pardonne de ne pas développer sur Amiga et PC Engine, je leur dédicace mes œuvres complètes. Ils se mettent à pleurer de joie, c'est normal. Et comme Balladur, je leur demande d'arrêter. Je vous demande de vous arrêter. Je vous demande de vous arrêter. C'est vrai, c'est gênant à la fin.
De retour chez moi, je découvre le coffret, et là, je dois dire que c'est la classe internationale. On y trouve le jeu dans une véritable boîte en plastique dur. Ah oui, en plastique dur. À l'intérieur, il y a une notice toute en couleur. Eh ouais, toute en couleur. Un objet brillant attire mon attention. Il s'agit d'un sabre d'inspiration turque, le Kilij. Oui, je sais, je me la pète en évoquant cette arme d'estoc et de taille, importée en France par Napoléon lors de la campagne d'Égypte. Mais comme le disait Pierre Desproges, la culture, c'est comme la confiture. Moins on en a, plus on l'étale. D'ailleurs, je continue. La tête d'aigle sur le pommeau me fait forcément penser à un clin d'œil de Néophyte Studio à l'empereur. Bon, et puis, Néophyte commence par un N, comme Napoléon. Ouais, les coïncidences, je ne pense pas qu'elles existent. Toutefois, petit bémol, n'espérez pas découper du saucisson corse ou même ouvrir une lettre. Le tranchant n'est pas affûté. En réalité, c'est une clé USB de 4 gigas qui contient plein d'images coquines. En effet, quelle ne fut pas ma surprise de découvrir un dossier top secret concernant des images olé olé. Ah ben non, je vous cache pas, j'ai été très choqué par ces images. Il m'a fallu plusieurs semaines pour m'en remettre, d'où le retard de cette vidéo. Mais bon, passons, ce ne sont que des hommes après tout. Le coffret contient plein d'autres goodies. Par exemple, il y a une carte du royaume d'Astborg, avec les emplacements emblématiques du jeu. Le château, le cimetière, le village. C'est tout con, mais ça vous met dans l'ambiance du jeu. Vous le punaisez non loin de votre téléviseur et ça renforce l'immersion dans le jeu. Bref, une très bonne idée. On trouve aussi des autocollants à apposer sur votre front, par exemple, et 4 cartes postales pour écrire à votre tata Geneviève quand vous serez en vacances. Enfin, il y a 5 cartes de personnages, Sagramor, Gareth, Uther, Maria et Bohort. Bref, c'est une attention très sympathique et je me répète, pour un jeu homebrew, c'est la première fois que je vois un coffret aussi bien réalisé. Donc bravo à l'équipe de communication et à la dénommée Élise. Au niveau des prix de vente, la cartouche Mega Drive est vendue seule à 49€. Et si vous voulez le jeu avec une notice tout en couleur et une boîte en plastique dur, il faudra vous acquitter de la modique somme de 69€. Notez qu'il existe une version dématérialisée qui fonctionne sur PC via Steam. Et sur Nintendo Switch. Alors c'est vrai que j'arrive un petit peu en retard sur le sujet car la campagne Kickstarter s'était achevée en octobre 2020 avec un objectif largement dépassé. Sur les 35 000€ attendus, Néophyte Studio a levé près de 45 000€ de fonds, ce qui leur a permis de lancer l'opération et de satisfaire les amateurs de jeux Mega Drive avec un produit, osons le dire, de très grande qualité. Notez qu'une certaine contribution vous permettait d'avoir votre nom sur une pierre tombale avec la cause de votre mort. C'est rigolo, voilà. Ça ne sert à rien, mais c'est une attention toute particulière qui est sympathique. D'ailleurs, il faut savoir que le marché pour ce type de produit n'est pas vraiment français. Le gros des acquéreurs se trouve en Amérique du Nord. Et même en Europe, malheureusement, la France n'arrive pas toujours en tête du peloton. L'Allemagne et l'Angleterre nous devancent souvent. Et oui, on n'est pas forcément prophète en son pays. Car oui, c'est un jeu français qui est développé du côté de Manosque. Et finalement, c'est tant mieux pour Néophyte Studio qui assure l'essentiel de ses ventes à l'exportation. Sans ces marchés étrangers, nul doute que nous n'aurions pas la chance de voir des petits Frenchies talentueux réaliser un jeu Mega Drive. Le jeu en lui-même m'a beaucoup plu. On sent l'inspiration venue tout droit de Castlevania, mais aussi des jeux d'action plateforme de la belle époque. Par exemple, Wonder Boy in Monsterland pour la collecte des petites pièces, ou encore Ghouls and Ghosts pour les séquences d'action frénétiques. L'histoire est des plus classiques. Vous incarnez Gareth, chevalier de la garde royale, et vous devez affronter les forces maléfiques d'Astborg. Vous devrez utiliser des sorts plus ou moins puissants pour débloquer votre chemin ou terrasser vos ennemis. Comme un vil charognard, vous ferez les poches de vos adversaires décédés et vous pourrez améliorer votre équipement dans une sympathique boutique tenue par une séduisante babe. Le jeu est très scénarisé et c'est une histoire très étoffée qui vous est dévoilée au fil de votre progression. Le point d'orgue sera bien évidemment l'affrontement avec le boss final, Zadimus.
Bon, je ne vous le cache pas, je ne suis pas arrivé jusque-là. Mais bon, toujours est-il que la réalisation est de toute beauté. Les graphismes tiennent bien la route et les musiques sont excellentes. La jouabilité est particulière et nécessite un petit temps d'adaptation. Une fois maîtrisé, vous allez vous régaler. Le jeu est loin d'être facile. D'ailleurs, je ne m'en cache pas, je n'ai pas réussi à le terminer à l'heure où je vous parle. Et il vous faudra être habile pour passer certains boss. D'ailleurs, vous le remarquerez, plus vous progressez, et plus le jeu est techniquement impressionnant. Les derniers niveaux sont d'une remarquable ingéniosité dans leur construction, et il vous sera impossible de les terminer sans utiliser le bon sort. Et ouais, parce qu'il y a aussi une partie stratégique, tactique, qui n'est pas du tout à négliger. Alors je vous spoil un peu, mais à un moment donné, on a même droit à une séquence en 3D. Ouais, c'est vers la fin et c'est surprenant. Bon, il y a aussi une pléiade d'endroits top secret à découvrir. Croyez-moi, vous n'êtes pas au bout de votre exploration. Bref, c'est du tout bon. Alors par contre, si je suis en retard pour Demon of Astaborg, écoutez, je ne suis pas trop en retard pour vous parler du nouveau jeu de Neofit Studio, Astabros. Un action RPG jouable à deux. Le point fort, c'est qu'il utilise le même moteur technique que le précédent opus. Cette fois, le Kickstarter, qui s'est achevé le 10 avril 2022, a pulvérisé les scores avec plus de 100 000 euros de fonds récoltés. Une marque de confiance envers Neofit Studio, c'est indéniable. Le jeu devrait sortir cette année et il s'annonce très prometteur. Une démonstration a été mise à disposition et à première vue, je trouve qu'un palier supplémentaire a été franchi dans la réalisation. Cela s'annonce tout simplement faramineux, avec en sus la gestion de plusieurs personnages, chacun ayant ses propres caractéristiques, comme vous vous en doutez. Le mage, le chevalier et l'archer, qui est accompagné d'un petit animal, qui lui aussi changera en cours de route. Les donjons sont générés aléatoirement, ce qui promet des heures et des heures de jeu sans lasser le joueur. Et cette remarque est d'autant plus valable si vous avez un ami avec qui jouer. Bon, moi malheureusement, je n'ai pas d'amis. Les gens me jettent des cailloux quand je passe dans la rue. Mais bon, c'est peut-être dû à mon caractère parfois un peu irascible. Mais bon, passons. Car ce jeu, effectivement, est vraiment calibré pour la coopération. D'où le titre du jeu, je suppose. Ah oui, Astabros, Brother, enfin, vous avez compris le truc. Techniquement, le moteur du jeu a été amélioré. Les graphismes sont beaucoup plus colorés et pimpants que le précédent titre. On se croirait sur une PC Engine. C'est dire, hein? Bon. Alors si au final on reste sur du très classique, cela présente un autre avantage, celui de ne pas dépayser les vieux gamers que nous sommes. Faut dire qu'on aime bien retrouver nos petites habitudes. Et ce type de jeu répond parfaitement à nos attentes. Les adorateurs d'Heroic Fantasy et bien évidemment de Mega Drive seront comblés. Bref, c'est une véritable chance, je me répète, d'avoir en France des développeurs aussi investis dans ce genre de projet. Notez au passage que Christophe Reboul, le boss de Neofit Studio, est le créateur de Neofit Technology, une entreprise spécialisée dans la fidélisation des clients. Alors, avec un jeu aussi qualitatif que Demon of Astaborg, je pense qu'il n'a pas besoin de mettre en place une carte de fidélité en multicanal pour motiver les clients à acheter Astabros. Voilà mes petits lapins, j'ai terminé cette courte chronique sur les projets de Neofit Studio. J'espère que ça vous a plu. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures.